c'est un peu trop gros la fenêtre. Donc 500, c'est peut-être mieux. Parce qu'on n'a pas besoin d'énormes. Voilà. Un petit écran comme ça, c'est pas mal. Et on va enlever les trucs qu'on n'a plus besoin. Tout ça, on n'a pas besoin. Ça, on n'a pas besoin. Ça, on n'a plus besoin. Ça, on avait besoin. Hop. Ça, on n'a plus besoin. Ça, on n'a pas besoin. Hop. Red. Alors, ici, on va mettre 0F. Tout simplement. Et on est bon. Alors, ce qu'on va faire avant d'afficher les murs, on va quand même afficher un premier square dans une des cases qui correspondra au joueur. Donc, on va tout simplement créer une nouvelle shape sur un rectangle. Créer un rectangle. La position, on va la mettre dans une des cases du milieu, on va dire. Donc, pour faire simple, on va partir. Donc, si je lance, d'ailleurs, ça n'a pas marché. Hop. Je vais lancer. Donc, le square, on va le mettre. On va le mettre à peu près au centre de notre grille. On va partir de là et on va tout simplement décaler le nombre de cases, hop, jusqu'ici, enfin jusqu'au milieu quoi. C'est plus simple de partir par là. Donc il faut d'abord trouver la position de cette case là. Donc pour faire simple, la case ici sera 0 0 0 1, donc 0 1 2 3 blabla jusqu'à le nombre de cases en weave, donc 24. Donc ici ça sera la case numéro 23, ici ça sera la case numéro 24, 25, 26, etc, etc. Et pour faire simple, donc pour retrouver la case ici, on va dire que c'est la case en X c'est 0 et en Y ça sera 0 également. Alors, on va faire float tile size X, même type size, ça sera donc divisé par type count. Donc la taille d'une case. Et pour faire simple, vu, donc on va aussi mettre grid pose X 00F root grid pose Y égale 0 égale ceci, hop, hop, voilà. Et on va venir donc float first case X, ce sera donc moins le nombre de cases, donc tile count, divisé par 2. Tac, tac, tac. Non, ça sera plutôt plus simple. Vu qu'on est grid moins. Oui, divisé par 2 plus tile size divisé par 2. Hop. Voilà, on fait la même chose ici. File. Hop. Divisé par 2. Tile size divisé par 2. Donc hop. Voici notre première case. La position de la première case, et du coup on peut créer notre rectangle. Donc croître rectangle, ce sera first cat x first case y. Alors la fonction de créer rectangle, elle prend tac tac tac, j'ai le droit type weave in high, hop, main weave ici, ce sera
Tile size également. Tile count with sound, on n'aura pas besoin. Et on est bon, je pense. Et il faut également définir notre shape 2. Hop. On va faire ça comme ça. On va arrêter. Et on va tester. Alors, on n'a pas les bonnes. Donc en X, on est bon. Par contre, en Y, on n'est pas encore bon. Et tout simplement, pourquoi on n'est pas encore bon? Hop. Tac, tac, tac. Sûrement. Alors, clic pose Y ici. Hop. Donc. Ok, donc là on a la première case. Et maintenant il faut le mettre au centre. Donc pour pouvoir le mettre au centre, il faut tout simplement donc prendre hop X middle case X, mais on va faire hop middle case X est égal à first case X plus nombre de cases divisé par 2.0f. Hop, on va mettre en entier et on multiplie par tile size. Hop, donc on est bon. D'ailleurs, on va mettre ça comme ça. Et on fait la même chose en Y. Ok, alors on n'est pas exactement au milieu. Donc, pourquoi? Ok, je sais pourquoi. Donc on va ça, mettre tout ça entre parenthèses. Hop. Et d'ailleurs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ouais, je sais pourquoi, donc faut prendre le tile count en high, comme ça, ça sera en... Et là, normalement, on devrait être bon, donc, ok, c'est bon, on est au milieu, et donc maintenant, bon, on peut afficher nos murs, donc on va juste renommer un peu, donc ça sera le void, hop, là, ça sera notre snake rectangle. On va réarchitecturer un peu plus tard. Pour le moment, on fait ça comme ça. Et donc, on va faire la même chose. On va créer des murs. Donc, wall, crâtre, rectangle. Donc, cette fois-ci, ce qu'on va faire, donc, en gros, on va prendre. Donc on va venir pour afficher nos murs, on va venir donc prendre les cases ici, et en fait les murs, ça sera juste une case qui va longer toute la grille en ici, puis ici, ici et ici. Donc on va du coup créer 4 murs pour faire simple, et bah, du coup il faut pouvoir les placer au bon endroit. Donc on va placer notre mur ici, donc à la au milieu de la grille. Donc en Y, ça sera d'abord, on va commencer par le mur droit, donc on va mettre right. Voilà,
Ok, ça sera en Y. Ça sera grid pose Y. Et ici, ce sera donc first case X. Ici d'ailleurs, on va mettre comme ça. Hop. N case X. N case Y. X, Y. Hop. Tac, tac, tac. On va pas diviser par deux du coup. Rien. Hop, donc ça sera first, ça sera n case x ici, grid pose y, pour la largeur ça sera en width, ça sera tel x tel size plutôt, et en height ça sera height, c'est-à-dire la taille de la pièce. On va voir ce que ça donne. Hop, alors right wall. Donc, on n'est pas encore bon. Alors, qu'est-ce qui pose problème? Bon, tout simplement, on va venir tester. Hop. Si je mets n case x, n case y, qu'est-ce que ça donne? Ouais, je pense que je peux savoir pourquoi. Hop. Ça va faire, on va mettre moins 1. Parce que vu. Hop. Ok, on est bon. Hop. Tac, tac, tac. Alors. Donc, n case x, n case y. Donc, on va juste remettre. Hop. Hop. Ok, donc on a notre premier mur. On va faire pareil pour celui du left. Left, sauf que ce sera first case x. Hop, hop, hop. Tac, on n'oublie pas de supprimer. Right. Ici, left. Ici, donc on reteste. Donc voilà le deuxième mur, et il manque les murs en haut et en bas, tout simplement. Right wall, donc ce sera down wall et top wall. Hop, en, donc ici on va mettre x. X ici aussi. Ici on va mettre n case y. Hop. Et on fait comme ça. First case y. Ouais, on va d'abord commencer par celui qui est en bas et après celui qui est en haut. Et on aurait du bon pour nos murs. Hop. On n'oublie pas de supprimer. Donc top one, down one, hop. On va juste mettre un L minuscule ici. Si on aura l'occasion de renommer un peu plus tard. Qu'est-ce que j'ai fait? Tac, tac, tac. Donc, hop. Delete, delete. Hop. Left wall, c'est normal. Hop. Et ici, on va mettre un L minuscule. Ici aussi. Ok. Alors, juste. On a, ici, on s'est trompé. Il faut que ça soit. Oui. Ici, oui, ici, ici.
Et voilà, on a nos quatre murs qui correspondent aux obstacles que le joueur ne devra pas toucher du coup. Alors, je pense qu'on a fait un peu les choses un peu visuelles, on va dire. Donc maintenant, ça va être du gameplay. On va juste également rajouter quelques shaders et un peu architecturé pour avoir une classe Snake un peu plus tard. Donc, on va commencer par avoir des couleurs définies. Alors, on va mettre Fragment Shader. Hop. Donc, on va mettre Wall Fragment Source. Voilà. Alors, Wall. Donc, de toute façon, on aura 3. Donc, un pour les Snakes. Et un pour la grille. Donc globalement le snake on va le mettre en vert. Donc ici ça sera 1 0 f. ici les murs on va les mettre en gris. Donc, je fais un truc comme ça, 0 7 0 7. Et la grille, on va les mettre en noir pour le moment. Voilà, on va créer 3 shaders. Snake et grid. Ici, on va mettre le snake. Ici, on va mettre le grid. Ok, donc ici on va mettre comment je les ai appelés, grid shader, shader grid. Ici ça sera shader snake et les autres ça les murs. Hop. Ok, on n'oublie pas de les supprimer. Donc ici ça sera shader grid. Hop. Shader wall et ici ce sera shader snake. Voilà, donc il faut bien s'assurer qu'on a bien supprimé les choses avant de quitter l'application. Donc ça a l'air d'être bon, on va voir ce que ça donne. Alors, le gris il est pas très bon parce que ce qu'on va faire, il nous faut un gris un peu plus foncé en vrai. Vu que on a mis du 0,6 pour le fond, on va mettre du 0,3 pour les murs. Ok. Donc on est bon, on a une map assez bien faite, on va dire. Donc maintenant il faut faire la chose le plus intéressant, on va dire. Donc c'est le gameplay. Et donc on va du coup déplacer notre snake dans les quatre directions.